Salut les gens et bienvenue dans le Marathon Steam. Donc on lance un nouveau jeu, il s'agit de Magnetic Cage Close, d'un jeu sorti il y a moins d'un an parce qu'il est sorti en mai 2015. C'est un jeu de Guru Games. Je vais vous le décrire rapidement le concept, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose parce que normalement, enfin ça ressemble beaucoup à un jeu très connu en fait, où vous jouez une fille qui est enfermée dans un, on va dire, un centre de recherche. On lui file un pistolet qui peut pas tuer des gens. C'est un pistolet avec des caractéristiques spéciales. Là, ici, là dans le jeu par exemple, c'est un pistolet magnétique. Et elle doit s'échapper du centre de recherche en parcourant des salles de test. Voilà. Normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Donc, puisque c'est un jeu relativement récent, j'avais peur de pas réussir à le faire tourner sur mon ordinateur. Mais en fait, j'ai acheté un PC, enfin j'ai changé de PC. En fait, j'ai un PC fixe gamer maintenant. Donc, normalement, il devrait être capable de faire tourner ça correctement. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu, son baptême, si vous voulez. On va tester un jeu avec des caractéristiques qui pompent un peu la carte graphique un petit peu plus que mon PC portable d'avant. Espérons qu'il s'en sorte. Allez, c'est parti. Tous ceux qui entrent sur ce site méritent le sort qui les attend. Prisoner XE-47623, welcome to Facility 7. Out of all the numerous scum that inhabit Death Row, je peux bouger la caméra, d'accord. Pas avancé, évidemment. And you have therefore been placed here, in my care. I am William Keane, the warden of this facility. Ouais. Bon, le doubleur est pas extraordinairement génial, hein. In here, I will give you two options: cooperation or death. Je vais peut-être choisir la première option alors. Ça ressemble beaucoup au début d'Half-Life 1, ce fait de pas pouvoir bouger là et d'être sur des rails pendant qu'il y a quelqu'un qui nous parle. In Facility 7, we believe in both punishing and rewarding prisoners. If you cooperate and somehow manage to succeed in every trial we place before you, your criminal record will be erased. From then on, you'll be free to ruin your life out in the real world once more. Je vois que vous avez confiance en moi. If you start falling behind, however, or make too many mistakes, we shall have no use for you, and your sentence will be carried out. D'accord. Ok. Bon, son cou peut pas se détacher à cette personne, hein. Je peux pas faire un tour complet de ma tête. Je suis physiquement bloqué. Oula! Ok. Là, je peux avancer? Ah non, attendez. On n'a pas fini la... Interlude. Attraction et répulsion. Un jeu d'enfant. Putain, il y a combien de titres, là? Faut que je fasse entrer ? Non. Donc là, je peux bouger. Ok. Donc là, c'est de là où je viens, c'est ça ? Et Now, your first choice. Either you walk up to the door and enter the transit, or you can stay in here. If you choose to stay, we will fill the chamber with chlorine gas, and you will die a slow, agonizing death. Bah c'est pas vraiment un choix, hein. C'est quoi? Vu qu'on est au tout début du jeu, je pense que je vais vraiment attendre une minute là-dedans pour me suicider. Ouais. Attends, mais c'est par là que je viens. On est d'accord que c'est par là que je viens. La tache de sang, elle était projetée dans le même sens que moi. Les gars, vous êtes pas cohérents. Bon.
Bah du coup on est parti pour rester une minute là-dedans. Hein. Une minute c'est long quand même pour les gens qui veulent tester le choix. Vers 30 secondes ça aurait été largement suffisant. Enfin tu menaces à un joueur de le tuer, il se rue dans la suite quoi. Ah bah quand même. Ah je peux bouger encore. Ok. Je suis effectivement mort. Et alors quoi, c'est la fin du jeu, on va voir les crédits là? D'accord, très bien. Ok, ben voilà, ben j'ai speedrunné le jeu, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, au revoir? Non, attends. Est-ce qu'on peut les passer les crédits peut-être? Oui, on peut, d'accord, très bien. Jeu terminé. D'accord, bah écoute, on va recommencer, hein. Super. Cela dit, au moins c'est intéressant parce que ça veut dire que si jamais on fait des mauvais choix dans la suite du jeu, on peut mourir et avoir les crédits et pas voir la fin du jeu, quoi, par exemple. Donc, faut éviter de faire le con. En fait, je pense qu'ils ont fait exprès de te dire clairement que t'allais mourir pour ton premier choix, comme ça, après t'évites de faire le con. Bien, bah allons-y, hein. Allez, ouvre-toi. Mais j'ai déjà choisi, vas-y, ouvre-moi la porte. Oui, je veux revenir sur mes pas, allez. Allez, ouvre la porte. Par contre, je passe dans un faible rayon comme ça. Ah, faut que je rampe. Ah, je touche à rien. Ok. D'accord. Ah oui, apparemment, ce jeu est jouable avec la VR aussi. Donc, ça explique peut-être pourquoi il y a la tête qui bouge comme ça autant. They say the first few hours are the hardest, when everything is new and traumatic. Some even cry like babies, failing to see that they have been given an opportunity. Et du coup, il se passe quoi? I will send you to the basic evaluation module first. The people upstairs have had a hard time finding suitable subjects in Death Row, so we have been ordered to stop wasting resources. If you ask me though, what is there to waste? I will leave you for now. Our dear prison psychologist will take care of the basics. Good luck, prisoner XE47623. And remember, there is always a way out. J'espère que la fille qui va prendre ta place est meilleure actrice que toi parce que t'es vraiment très mauvais en tant que voix off. Je veux pas dire, mais quand même un peu quoi. Welcome to Facility 7, prisoner XE47623. My name is Dr. Karen Womberg, a prison psychologist. That, however, is not really what's important right now. What is important is that you pay attention and learn quickly, or you won't make it far in this place. Donc c'est vraiment comme dans Portal, je veux dire, je peux... D'accord, je peux sauter des hauteurs absolument incroyables et... Et mon corps s'en fout. Il ne ressent pas les effets des chocs gravitationnels. C'est pratique. Non, je peux pas interagir avec ça. Est-ce que c'est un labyrinthe? C'est assez simple pour l'instant comme jeu. J'ai même pas de pistolet ni rien. Chambre 0. Salle d'entraînement libre avec fusil magnétique.
people upstairs call a prototype, but it should suffice for now. Okay. We call it a magnet gun. But I won't tell you how it works since no one here expects you to have an advanced knowledge of physics. Just do what most prisoners do. Push a few buttons and see what happens. I suppose a few words of warning are in order. That device will not only apply forces to objects around you, but you will also be affected. So the stronger the power setting on the magnet gun, the greater the force that pushes or pulls on you and the objects. When you are done playing around, just take the elevator, and I will guide you further in the next chamber. D'accord. Donc là, c'est... On n'a pas vraiment prévu de tutoriel, c'est tutoriel toi-même. Donc, dans ce sens-là, c'est poussé, c'est ça? Et dans ce sens-là, c'est tiré? Ouais, d'accord. Oula. Ah oui, et au milieu, c'est plus fort que sur les côtés. Je vois. Ça, c'est une plaque de pression. C'est quoi ça? Push, pull et adjust power. Ah oui. Je suis à fond, là, c'est ça? D'accord. Donc, il y a deux modes. Il y a le mode pas beaucoup et le mode beaucoup. Très bien. Donc ça me repousse parce que la caisse est plus lente que moi, c'est ça? Et ça m'attire parce que... Ouais, ok. Et si je prends l'autre mode, ça fait... Ça m'attire mais moins fort. Et là, ça attire le cube plutôt que moi. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je croyais que c'était ça le mode fort. Ah ouais, d'accord, bon. On va peut-être essayer de mettre ce cube quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Poule. Donc, poule, c'est comme ça. Ah, ça me file un cube. Ok. Qui a l'air d'être plus petit que celui-là, déjà. Mon Dieu. Ah, ça y est, il est accroché. Je peux lâcher la souris, là. Ok. Est-ce qu'on va mettre ce cube? Oh là, voilà. Calme-toi, calme-toi. Si je fais ça... Ah, donc je peux utiliser E aussi, c'est ça? Ah non. Enfin, je peux utiliser E pour le lâcher. Mais pas pour le... Pas pour le prendre. Donc si je parvenais à avoir deux cubes, ça pourrait être intéressant, peut-être, non? Ah, et c'est ça le nombre. C'est le nombre de cubes qui reste avant que... Avant qu'il n'y ait plus rien. D'accord. C'est curieux qu'ils aient mis la fonction tirer sur le clic droit de la souris, parce que j'aurais mis ça plutôt sur le gauche. C'est la fonction principale, en fait. Bon, ça s'ouvre pas. Ah, là, il y en a un. Oh, ça veut dire qu'il faut le lancer. Alors, attends. Ah, reviens là. On va essayer de se mettre là-haut, là. Et faire ça. Oula. Oh, putain. D'accord. Ok, et donc là, si moi je me mets là, les trois lumières sont vertes. Et ça ne sert à rien. Est-ce que je peux monter là-dessus? Ça a une gueule d'échelle, hein, pourtant. On est d'accord que ça a une gueule d'échelle. À moins qu'il y ait un bouton... Il y a peut-être un bouton spécial, non? Je peux pas voler en cliquant sur le sol et en faisant répulsion. Non. Bon, écoutez, ça viendra sûrement plus tard. C'est différent de Portal, forcément. Mais ça m'a l'air d'être aussi un peu moins précis comme concept. Bon, les premières salles devraient être plutôt simples, non? A button and a box. This is all you need to worry about. Feel free to toss it around a bit before moving along. Il a secoué un peu. Genre... Genre comme ça? Non, je sais pas.
Ah, viens ici. Bon, écoutez, on va plutôt faire ça, hein. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire quoi que ce soit d'autre? Il y a une sortie, là? C'est quoi ça? Danger au voltage. Bon, je pense que c'est juste pour le décor. Ok, bon, bah on se casse. Ah! Alors attends, hop! What? Ah, reviens, reviens, reviens. Et après, faut faire... Oh! Ok, j'ai rien compris. Ah! Ok. Ça, c'était évident, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait quand même. Hop là! Donc, le truc revient en bas quand tu mets le bloc sur le... Bah non, mais... Et ensuite, il faut que tu sois suffisamment précis pour le rebalancer sur la... Mais non, mais... Putain, après, en plus, quand tu tires la caisse, ça te fait tomber parce que t'es attiré par la caisse en même temps que tu attires la caisse, quoi. Sérieux, les gars? Je vais peut-être utiliser la fonction un peu moins forte. De toute façon, je suis obligé de... Ouais! Ah mais non, mais... C'est lourd un peu. Non, 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 attends, reste là. Fais quelques mètres. Ah bah non, en fait, ça va. Je crois que la porte se fermait. N'importe quoi. N'importe quoi! Si déjà je galère à la salle numéro 1, qu'est-ce que ça va être? Magnetic propulsion device can both attract and repel the objects you encounter. In the next chamber, you will also see how it can affect you. Here, though, it's more of the same. Boxes and buttons. D'accord. Ça va lâcher cette caisse-là? Ça va lâcher une caisse? Ok. Et donc là, il faut le lancer. Ouah! Reviens! Je vais peut-être utiliser la fonction un peu plus forte. Et du coup, je le garde. C'est tout? C'est la fin de la salle! Qu'est-ce que c'est que cette merde? En bas, là, c'est au cas où je tombe, c'est ça? Mais c'est vraiment tout, il n'y a rien d'autre! Ah ouais, d'accord! Ok, c'était juste pour t'apprendre à lancer une caisse. Bon, bah ok, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, deuxième salle de fête! Putain, qu'est-ce qu'on est bon! Chambre 3. Pour augmenter ou réduire la puissance du fusil magnétique... Oui, c'est ça. La laisser s'accumuler avant de sauter. D'accord. Donc là, pour monter, il va falloir que je sois attiré par ça. D'accord. Et donc là, il faut que je fasse ça, c'est ça? Ah! Si je fais ça... Pas les masses, hein. Ah oui, parce que là je vole pas, il faut que j'attende. D'accord, et plus j'attends et plus je vole haut, d'après ce que la dame m'a dit. Et tu vois, par exemple, ça c'est un truc que Portal avait pas besoin de faire. Il avait pas besoin de t'expliquer ce genre de truc là, c'est toi qui le comprenais toi-même par le level design. But just so you know, this is the easy part. Bah, j'espère bien. I would hate for you to get your hopes up, only to have them crushed later on. Ah. On va plutôt faire comme ça.
Hein? Ah ah! C'est malin! Alors on va faire comme ça. Ouais, bah je préfère en fait le faire comme ça. Tac et tac. Voilà. Alors on peut pas y aller par là. Ah! Mais arrête d'avancer tout seul, toi! Bon. Ok. Là, ça a sûrement ouvert la. Ouais. Et puis là, c'est là où on était tout à l'heure. Ok. Easy, easy. On a déjà fait 4 salles. Enfin, déjà. J'en suis à 26 minutes de rush. Je sais pas à combien ça correspond dans la vidéo au final, mais. Alors. Je sais pas non plus combien il y a de chambres. Hein. Combien il y a de chapitres. Si vous traversez sans tomber une seule fois, vous gagnez une étoile supplémentaire dans le protocole. Ah, bon, d'accord, donc c'est même pas une question, faut pas que je tombe, quoi. Oui, avant de sauter, je sais bien. Dans l'autre sens. Voilà. Ensuite. Ok, bien sûr, maintenant il y a des trucs timés, bah attends, ouais. Pourquoi pas, après tout. Ok, ensuite, pour monter, je sais pas quel est l'intérêt d'aller là-bas. Je suppose que c'est par là que je dois aller quand même, mais... Parce que par là, il y a une barrière, donc... Bah allons-y alors. Du coup, c'est répulsion et go. Ah ouais. Putain ouais. Ah et ça, ça arrive de nulle part. Ok. Eh bien soit. Et go. Allez non. Disappointing. Well, well, no matter. I'm sure you will do your absolute best to not disappoint me again. Ben, j'espère bien. Je suis obligé de tout recommencer, c'est ça? Comment on sort de là? Là. Oh, génial. Là, il faut effectivement tout refaire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Si je retombe une fois, je meurs et on voit les crédits. Et j'ai pas vraiment envie que ça arrive. Putain, mais c'est pas vrai! Ça va en fait. Eh ben, ça y est, on a réussi. Donc, je sais pas ce que c'était que cette histoire d'étoile. Est-ce que c'est pour un éventuel rang S à la fin du niveau ou un truc comme ça? Peut-être à la fin du chapitre. Mais en tout cas, je l'aurais pas, vu que je suis tombé. The device in your hands will not make things lighter for you. The D27 prototype is still a bit. Rough around the edges and has a fairly limited power output. It will be interesting to see how you handle these heavier objects. D'accord. Alors, on va tenter la méthode de la méthode con. Juste. Ouais, d'accord. Ah oui, mais moi, vu qu'après je suis contre un mur, bah, je peux le pousser quand même. Je vois le délire. Faut que je l'amène là, là? Ah là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, toi... Waka Waka, c'est ça? Non, watch your... DXL, c'est ça que je lis. Attends. Watch your back. Ah! Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si je... Si je fais pas gaffe à mon dos? Allez, viens ça. Ah!
D'accord. J'ai compris. Ça, je dois le faire moi-même et ensuite je le repousse. Yes, très bien. Allez, bouge. Allez, tu peux le faire. Vas-y. Ouais, du coup, par contre, je serais quasiment incapable de le tirer, ce genre de truc. Vas-y, avance. Nickel. Ok, pour l'instant c'est plutôt plutôt direct. C'est plus des épreuves de maîtrise que de la véritable réflexion. Il n'y a pas vraiment de puzzle, d'énigme pour sortir de la salle. This place, it's more like a marathon than a sprint. Take your time and learn the basics before you move on. Once the evaluation is over, you will have precious little time to learn. D'accord. J'aimerais juste aller dans le menu quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai pour aller vers la droite? La touche... Oui, la touche D. Pour aller vers la gauche, j'ai la touche A. Mais je ne veux pas de la touche A. Voilà, merci. Voilà, comme ça je peux faire ça, c'est beaucoup mieux. Alors, bon, on va l'attirer là, parce que comme il était pas contre le mur, je pouvais pas le bouger. Encore un peu. Par là. Voilà. Ah oui, c'est pour m'en faire une... C'est pour que je saute dessus, quoi. D'accord. Je sens que c'est le truc qui est juste en dessous de moi qui va partir. Non? Ah non. What? Ah, salut. Ça me donne pas accès... Là, je sais pas s'il y a quelque chose là-bas. Pas. Ou alors peut-être que c'est la fin du niveau et que je vais y aller progressivement. Voilà, 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 voilà. Doucement. Pas trop vite. Alors. Ça, c'est la fin. D'accord. Donc, il faut que je te mette là-dedans. Ok. J'imagine que si l'un de ces cubes venait à me tomber dessus ou à m'écraser contre un mur, ça me ferait pas du bien et je mourrais. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? What ? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a peut-être un secret à aller chercher là-bas, mais je maîtrise pas encore assez le jeu pour le faire. Ça, c'est plus un truc d'adresse. Mais alors moi, les trucs d'adresse, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Donc là, on a fini le prologue, c'est ça? Vu qu'elle nous disait révise bien les bases et tout. Look around you.
around you, observe the area, and use the environment to your advantage. This is the most important advice I can give you. Others who monitor you later on will probably not be as generous with their advice as I am. Bah, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un truc extrêmement évident, quoi. Donc, vas-y, file-moi un cube. 7. 7 quoi? C'est la chambre 8 ici, monsieur. Ah! Là, je le maîtrise pas encore bien. Allez! Ce qui est bien, c'est qu'après avoir fait ça, on peut les garder, les cubes. Attends. Une seconde. Ah, bah voilà! J'avais même pas regardé, mais voilà. Donc après ça, je peux le reprendre et ça va faire remonter ça. Et ça, je peux en utiliser deux. Oh, tu sais quoi, déjà, on va faire ça. Parce qu'après, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là de la zone. Très bien. Donc, on tire. Certains objets procèdent leur propre champ magnétique. Ouais. Donc ça, ça attire un des cubes. Encore. Hey. Ah, d'accord, j'ai compris. Maintenant, on peut faire ça. Boxes and buttons, right? I think we've got this covered. Moving along. Allez, moving on. Très bien, très bien. Je sais pas s'il y aura une intrigue. I am certain that you can do better than you did in the last chamber. Stay sharp, dear. Pourquoi faire mieux? Mais j'étais très bien dans l'ancienne... Dans l'ancienne chambre. Va te faire voir. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous que... Ah bah voilà, eh. Regarde un peu. Je devine ce qui va se passer. Avant même que ça ne se passe. Mais viens là, toi. Alors, bah ça, il faut lancer dessus. Et ça va ouvrir ici. Toi, tu viens là. Parce qu'il va sûrement falloir que je te repose quelque part, non? Même pas besoin. Hop, une petite séquence où on rampe. Ils aiment bien faire ça. Hein. Bon, c'est déjà la chambre suivante, ça. This chamber is different than what you've seen so far. In fact, it's not about manipulating magnetic forces or weapons testing. In here, it's all about you making a choice. Ah. Is that clear? There will be no second chances at this, just so you know. Now then, would you kindly leave the magnet gun at the designated stand? Would you kindly? We cannot continue unless you do. Oh, and don't worry, you'll get a new one later. If all goes well. Ok. Ah oui, c'est vrai, le jeu est à sauvegarde automatique. Bah écoute, go.
As this is just a preliminary test chamber, the choice before you is rather simple. Later choices might be a lot more difficult for you. You ready? Allez. In the middle of the chamber, there is a button. My ouais. question for you today is the following. Will you press it? You have 20 seconds to make up your mind, so I suggest that you think quickly. The countdown has begun. Make your choice. Bah moi oui, je me mettrai dessus. Well done. You may go back the way you came. Nothing more. Bah oui, parce que tous ceux qui sont en rouge. Once the lights above the door turn green, you can leave the chamber and enter the transit to yourself. Vu que tous les persos qui sont sur le bouton, ils ont un bouton vert et les autres qui sont pas dessus, ils ont un bouton rouge. Effectivement, c'est relativement simple. On peut y aller maintenant? Allez! Bon bah c'était le prologue. Je suppose que là le chapitre est différent après. On va peut-être continuer un peu tiens parce que... Niveau challenge c'est pas encore ça. Bon je sais qu'après quand il y en aura effectivement du challenge je vais me plaindre parce que c'est trop dur. Mais... Je suis curieux de voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller avec, avec une idée pareille. Subject XE47623. You've managed to dig your way through the basic evaluation chambers with a passable grade. I'm sure the pleasure has been mutual. Good luck and welcome to the weapons testing program. Try to get some rest before Warden Keen sends for you. Faut que je me repose là? C'est la sieste? Eh ben allez, c'est la sieste. Hop! La sieste fut courte. De quel côté? De ce côté-là. On va continuer un peu quand même, parce que là... Là, c'est pas suffisant, c'est pas possible. De toute façon, on a même pas fait 3 quarts d'heure, donc... On avance. Oula! Watch Curiati... Ah! Mais j'ai pas eu le temps de lire. Eh ben du coup, on a atteint le chapitre 1. Une illusion de progression avec le texte qui déborde de l'écran. C'est un délire. Le vrai début des tests. Ah, ça y est. Ça y est, c'est la merde. No sleep. Days... Oula. Not a single scratch. Seems like the people upstairs really have made the basic evaluation module too easy. It used to be different. Ah, avant c'était mortel. Well then, prisoner, it's time. When the lights turn green, enter the transit and we will make sure you get started. I'm almost looking forward to seeing how long you will last. Bon, alors là je vais mourir. c'est ça que le mec essayait de me dire. Donc allons-y, voyons voir quels sont les pièges mortels qui ont été prévus pour moi. Je suis tellement impatient. Donc on retourne dans le transbordeur alors qu'on vient d'en sortir. Ah, pourquoi pas, tiens. The container you're being transported in is called a subject transit module. D'accord. We have close to 100 of these installed, moving from cell blocks to evaluation chambers. Sometimes they even take someone back again. As you can probably see, the subject transit modules were originally built from garbage containers. Ouais, c'est un peu l'idée que j'avais. Ah, isn't this nice, though? Almost like a guided tour. J'aurais préféré quelques vitres. Mais bon, vu que vous n'avez pas modélisé d'extérieur, c'est plutôt mieux que vous le fassiez pas. Gauche, droite, gauche. Toujours du même côté qu'on rentrait comme ça. Hein. Allez, allons-y. Essayons de survivre
à ce premier test potentiellement mortel. Ah là, la salle est déjà plus grande. Effectivement. Welcome, prisoner XE-47623. This is where the real trial begins. I hope that the basic evaluation has been of some use. Ouais, c'était sympa. A short journey for you, and a waste of time for me. Pick up the magnet gun and let's get on with it. Ok. Ah d'accord, il y a même pas de test pour cette première salle. C'était juste pour récupérer le pistolet. Donc c'est en fait c'est celle-là, c'est la chambre qui arrive. Ah bah là oui, d'accord, je vois du feu. Let's see what Karen's basic training has taught you. I would be incredibly surprised if you somehow managed to get yourself killed in here. But then again, it all depends on what you have learned. Ah, on voit que vous ne me connaissez pas. Moi, je suis du genre à foncer volontairement dans le danger. Alors, elle est où la plaque pour empêcher les grilles de redescendre? Ah non, ou alors il faut que je la mette. Ah, c'est pas con ça. Ah, attends. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah bah non, faut peut-être faire ça en fait. Oui, ça marche aussi. Mais j'espère qu'après j'en aurai pas à nouveau besoin de cette caisse. On verra bien. Sinon, je vais peut-être avoir quelques soucis pour la récupérer. Voilà. Bon là, c'est évite les flammes. Ah, il va me falloir un cube, effectivement. J'espère qu'on m'en file un là-haut. Parce que si je fais ça... Ah bah, super. D'ailleurs, je vais peut-être le poser là, directement. Tu tombes pas, hein. Tu m'attends là, bien sagement, j'arrive. D'ailleurs, en fait, je pourrais faire ça, non? Oui, totalement. Ok. Oui, voilà, en fait, ça n'avait pas si tant d'intérêt que ça de sauter ici. À part pour me donner plus de chances de me faire tuer. Mais c'est pas vraiment mon objectif. Reviens! Reviens, je te dis! Trop haut. Là, c'est bon, normalement. Ouais! Ça marche si je fais ça? Non, c'est l'inverse, pardon. Ah ouais, ça marche si je fais ça. Wow, on se calme. Ok! Très bien, eh ben, je suis pas mort! Et j'en suis le premier étonné, mais... Ok. C'est-à-dire que je vais mourir deux fois plus fort à la pièce suivante. J'aime ce psychologue. Bah déjà, c'est immense. Alors, elle est où la sortie? Là-haut peut-être? Ou tout en bas? On va regarder déjà tout en bas ce qu'il y a. Hop. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a même un truc pour remonter. D'accord. Ah! C'est un labyrinthe! Intéressant. Ah.
Donc ensuite, il faut monter par là et pousser pour que ça tombe à l'étage du dessous. Quoi ? I suggest you are done with this child's toy by then. C'est dégueulasse. Ah. Moi, vous savez très bien que quand on me met un chrono, je suis très mauvais. Non, vous savez pas, vous savez maintenant. Ça, c'est trop loin. Et merde. Ah putain. Bon bah là je vais mourir du coup. C'était là ou c'était encore le niveau d'après? Ah ouais non, il me reste encore un étage entier et tout. Pas ce niveau là quand même normalement. Où est mon cube? Ah putain, c'est pas vrai. Comment on y va là-bas? Ah c'est ça l'idée, d'accord. Ok, écoute, je vais essayer de monter là-bas. Faudrait que je revoie mon cube aussi parce que là je sais pas du tout où est-ce qu'il a atterri. Ah, il est là-bas, ok. Alors. Oh là là, c'est en diagonale. Vous êtes sérieux les gars? Bah et après il va où? Ça c'était dégueulasse, c'était pas nécessaire. Ah bah j'aurais pu remonter par là. Ah bah je peux remonter comme ça. Allez. Oh putain. En plus j'ai l'impression de pas être si loin que ça du but quoi. Allez, viens là. Par contre, après, comment tu fais ça? Mais j'en ai aucune idée. Si je fais ça, ça va marcher, bah non. Ah oui, d'accord, très bien. Et voilà. Bon ben non alors. Ça va, j'ai survécu. Enfin attends, je suis pas sorti encore. Là, j'ai survécu. Ouais. Mon dieu, deux chambres mortelles et deux chambres où je meurs pas. Est-ce que je serais devenu bon aux jeux vidéo? Bien sûr que non. D'accord, donc ça c'est pas un endroit où t'as envie d'aller. Ça, il va falloir les éteindre avant de passer.
semble avoir aperçu un cube ici. Le cube, lui, il en a rien à foutre du feu. Il peut passer. On s'en fout, c'est du métal. Très bien. Alors après, l'objectif, c'est d'aller là-bas. Si je monte là-dessus, c'est possible. Oula, il y a deux... Il y a deux objectifs. Ok. Bon. Allez, colle-toi à moi, merci. On va commencer par celui-là, on va essayer. Ah, j'étais presque. Heureusement que ce pistolet a une portée énorme, hein, parce que sinon, je serais dans la méga merde. Yes! Nice shot. Let's see if you can repeat it. Je vais voir si je peux pas monter là-haut. Il me semble que si. Là. Well done. You may proceed. Ah, faut que j'arrête de regarder le retour caméra. C'est mieux. Ouais, c'est déjà un petit peu plus palpitant. C'est déjà un peu plus intense. Is rather useful. During the Great War, it was employed on a large scale to combat enemy trenches. In here, however, we use it as an incentive for you to stay on the ledges. Uh-huh. Normally, I would not tell you this, but you don't seem like the kind of creature that pays attention to warnings. Ah, y a pas de suite à la phrase? D'accord. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Ah putain, d'accord, ok. Ça, je l'avais pas vu, ça, par contre. J'aurais dû m'en douter avec les symboles qu'il y avait et tout, mais comme je les ai pas vus cracher du feu, eh ben... Eh ben, j'y ai pas pensé. Non, mais... Ah, mais non, mais si, c'est ça. Mais oui, effectivement, ça crache du feu. Mais non! Ah, ça va. Ça va, ça va. J'ai survécu. Le truc crache toujours du feu. Alors, ce que je vais devoir faire, je pense, c'est que je vais devoir envoyer le cube là-bas. Et comme ça, il va m'attendre. On va dire que ça suffira. Donc, c'est où ça crache du feu? C'est là. Et là. Ok. Donc ensuite, je peux faire revenir ça ici. Et utiliser ça. Et
Là. Play some basketball before you dropped out of school, did you? How very quaint. Ok, je suis désolé de pas parler, mais c'est parce que j'ai vraiment pas envie de mourir. Mais ouais, c'est prenant. Le fait de rajouter des mécaniques qui tuent en plein milieu, En fait, c'est beaucoup moins réflexion et beaucoup plus action. Ouais. I'm sure you will be remembered as one of the best box placers of your generation. J'imagine que c'est censé être une insulte. Déguisé en compliment. Bon. Remember, push with red, pull with blue. Push with red, push with blue. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, mais tu vas te coller à moi, oui. Oh, problème de collision, ce jeu, non? Non, bon, j'aurais pas le temps de le faire. Ceci est un cube que je ne peux pas récupérer, manifestement. Alors je vais tenter d'y aller en courant, même si je pense que ça va être un peu short. Pourquoi le fait d'y aller avec la... Ouais, bon, ça c'était très con. Mais si j'y vais en repoussant, ça va plus vite. Ah ouais, non, j'avais pas l'impression non plus, hein. Compris là. J'ai pas compris le délire. À moins que je ne dois. Bah non. Enfin. Je vais réessayer parce que ça m'intrigue quand même. Ah, en sautant. Ah ouais, d'accord. These puzzles were designed to give you a sense of accomplishment, even if all you really managed to achieve was putting a few boxes where they belong. Uh-huh. Bon, alors je peux gagner un cube, mais pourquoi faire? Ah! Pour le poser là et ensuite sauter dessus. Non, il faut que je le mette là-bas. Bon, déjà je vais créer le cube, voilà. Ensuite, je vais sauter à... Voilà. Ah oui, c'est comme ça, d'accord. Et là... Ah mais non, mais... Bah non, de toute façon, je peux pas... Je peux pas faire les deux d'un coup. Voilà. Bien. En essayant moi-même physiquement de... Ah, comme ça, je peux sauter directement depuis ici. C'est pas con. C'est gentil. Bon, d'accord. Donc ça, c'était pour me rappeler que... je peux
me déplacer plus vite si je saute en repoussant les murs. Ou en les attirant, si jamais le mur est de l'autre côté. Oula. Chambre 900. And the look on a prisoner's face when they go down a slippery slide straight into the gas is amusing, to say the least. Parce que là, après, je peux aller là, mais après, je vais être bloqué. Donc, il faut que je vienne par ici. D'accord. So, you've got another box on your hands. Now, you just have to figure out what to do with it. Faut que je la ramène au début. Et reviens, toi. Il va falloir qu'à un moment donné je m'en serve comme contrepoids, mais pas tout de suite. Oula, là il va falloir que je me repousse pour aller jusque là. C'est un peu dangereux. Reste là un peu toi. Je vais essayer d'attirer celle-là plutôt. Oh putain. Ah! C'est dégueulasse! Je vais mourir là! Ah bah non, je peux faire. Je peux faire ça. Parce que sinon, c'est pas suffisant. Je suis mort là? Je suis mort. Ok. Shit! Bon, là, on commence à arriver dans les trucs de précision. Faut savoir que la précision, c'est vraiment mon point fort. C'est un truc avec lequel je suis excessivement à l'aise, mais vous n'avez pas idée. Vraiment, les jeux vidéo à base de précision, c'est ma passion. Je vis pour ce genre de jeu. On y retourne. Non! Donc on a ça. Et maintenant, il va falloir qu'on aille jusque là-bas. Ah, il faudrait peut-être que je mette la caisse là-dessus. Pour faire baisser le truc là, et que je puisse traverser ensuite. Il y a de l'idée. De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai pour traverser. Ça va être un peu relou, non? Ouais, surtout que dès que j'aurai bougé la caisse, ça va s'en aller. Ah ouais, non. Non, les gars, c'est pas cool, ça. Ça marche. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc ça devrait aller. Je vais la rapatrier quand même ici, au cas où. Parce que j'en aurai besoin après, une fois que je serai en haut, forcément. Vu qu'ici, il n'y en a pas l'utilité. Ok. Ah non, il y a encore un interrupteur. Oh putain, j'étais presque.
Ah, d'accord. Très bien. Ok, j'ai compris alors. Ouais, ça marche. J'y croyais pas, celle-là, tu vois. Bon, est-ce que j'en tente encore une? C'est un choix, ça, non? This chamber has not been completely validated yet. Someone upstairs thought it would be interesting to give our intern a chance to redesign one of the earlier chambers. And this is the result. Jenkins, a prisoner has entered your little creation. If she dies in there, I'm buying you a beer. Super, ça donne envie. Bon, de toute façon, il me faut la caisse qui est en face, donc... Je suis obligé de choper la plateforme là. Hop. Jusque là, ça va. Oh merde. Au moins le truc y est, lui. Ah, il y avait ça aussi. Enfin, ça m'aide pas des masses, mais... Oh non, il est tombé. Super, il est tombé. Ah oui, c'est parce que toi tu viens faire chier, c'est ça? Voilà! Ouais, bah écoute, reste là pour l'instant si tu veux. Ça ne me gêne pas. Donc il va falloir que je monte jusque là-haut. I must be very good looking because everything around here is attracted to me. Je dois être vachement beau parce que tout le monde est tous les objets ici sont attirés vers moi. C'est drôle ça. L'interrupteur n'est pas de la même couleur, donc... Bon, de toute façon, il va me falloir deux interrupteurs. Enfin, il va me falloir deux cubes. Puisqu'il faut que je pose un cube sur chaque bouton, là. Donc, il faut que je trouve l'autre cube. Il doit être caché quelque part. Là, on en a droit qu'à un. Ouais. Ça m'a l'air relativement symétrique quand même, comme délire. Il va probablement falloir que j'aille rechercher l'autre cube. Étrange. Et bon, soit. Allons-y. Alors. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait... Ouais, tout pile.
fonctionne plus. Ah si, ça va. Et après, je suppose que c'est à moi d'aller me mettre sur l'autre. Mais après, si je me sors du bouton, ça va se refermer. C'est assez étrange comme concept. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose là. Ah d'accord, ça fait osciller la grille et quand je sors ça s'arrête, d'accord. Ok, c'est une solution comme une autre. Allez, reviens à moi toi. Et voilà. Désolé Jenkins. Ah, j'ai failli mourir quand même au début, hein, mais j'ai... Oh, putain. J'ai réussi à m'en sortir. On est passé de la chambre 900 à la chambre 301. D'accord. Eh ben écoute, tant mieux. Vous savez quoi? On verra ça la prochaine fois. Donc on verra ça la prochaine fois. Et c'est très impressionnant en tout cas. En attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao.